Miriam Boualami, ich hoffe, das stimmt. Ich habe das A versucht zu sprechen. Du bist von der Universität Paris 1 von Panthéon Sorbonne. Mhm. Du bist, hast Geographie studiert, bist aber hier im, mit drei weiteren im Team Computational. Genau! Social Science, das ist Englisch, ne? Ich darf es einfach Englisch reden, das ist ja so einfach. Computational Social Science, ja, das ist ja. Thank God. Aber jetzt dank der Titel deiner Präsentation, ich rede durch. Ich rede gleich Plattdeutsch, das ist das klingt besser. La Diffusion Spatiale de la Musique Numérisée. Weiches S wahrscheinlich, Numérisée. Well, ich freue mich, and I'm really looking forward to introduce you. Break a leg or whatever. What are you saying? Was sagt man auf Französisch für so break a leg und toi toi toi? Merde. Merde? Das ist ja auch schön. Kann auch mal eine Studie zu machen, warum da so komische Sachen gesagt werden. Bon, déjà, je voudrais savoir combien de personnes parlent français dans cette salle. Plus ou moins. Oh, ouais, ok, bon, on est quand même beaucoup. Ce qui est cool, vu que je suis la seule personne qui va présenter en français ce soir. Malheureusement, je passe juste après Jérémy qui a fait une super présentation. Et en fait, on travaille tous les deux sur la musique et la mienne est bien plus ennuyeuse. Vous allez voir. Du coup, je commence enfin. Donc, je vous remercie encore d'être là. Et je m'appelle Myriam Boualami. Je travaille à l'Université Paris 1. Moi, je travaille en partenariat avec la plateforme de streaming Deezer. Et je travaille sur la diffusion spatiale de la musique numérisée. Donc, dit plus simplement, je m'intéresse à la manière dont les produits culturels, en particulier la musique, naissent, se propagent et éventuellement s'estompent dans l'espace géographique. Et donc, pour capter et comprendre ces phénomènes évolutifs, les géographes, donc ma discipline, ont construit tout un tas de modèles de la diffusion basés principalement sur la diffusion d'épidémies, de maladies ou la diffusion d'innovations technologiques. Donc ces modèles reposent principalement sur le principe de la diffusion dite en tache d'huile. Je pense que vous pouvez vous souvenir de vos cours de géographie au collège. Je sais que pour certains, certaines, peut-être la majorité de cette salle, ça doit remonter. Mais vous avez peut-être dû remplir ce genre de cartes pendant vos interros. Donc typiquement ici, avec la diffusion de l'agriculture au néolithique, donc on voit bien en fait cette forme de diffusion progressive, donc dite en tache d'huile, progressive et homogène, c'est assez joli, c'est facile à lire, ça se répond de proche en proche. Et pour un exemple avec une maladie, ici on a la peste noire, vous avez aussi vu dessus. Et qu'est-ce que je dois dire maintenant? Donc on voit encore cette diffusion successive en tache d'huile. C'est assez facile à lire, c'est très joli. Donc qui dans cette salle, enfin levez la main, qui arrive à lire cette carte ici? Voilà. Bon, 10 sur 10 pour vous tous. Et donc aujourd'hui, typiquement, si on s'intéresse à des diffusions modernes, typiquement le Covid-19, et qu'on cherche à cartographier ça, bah, ça va donner ça. Donc là, niveau lecture et compréhension, dans la salle, qui est-ce qui arrive à lire ça? Levez la main. Moi non plus, alors que je dois travailler dessus, et c'est ma thèse. Et ici, on a vraiment en fait, plus du tout cette diffusion en proche. Et c'est comme si la proximité géographique entre les régions, elle n'avait plus vraiment d'effet. Donc quand j'ai débuté ma thèse sur la diffusion de la musique, et que j'ai commencé à cartographier tout ça, les goûts musicaux dans les régions, etc. en France, donc je m'attendais à avoir de jolies cartes comme celle-ci, ou qui représenterait clairement des régions de goût plus homogènes, avec des régions de transition. Et comme toujours, quand on fait de la science, bah, je me suis très rapidement retrouvée avec ça. Et ça s'explique assez simplement aujourd'hui, et surtout avec le type de matériel avec lequel je travaille, avec les plateformes, enfin, vous avez déjà entendu ça des milliers de fois, mais avec les nouvelles technologies de l'information, tout va être accessible plus ou moins partout, au même moment, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et ça, c'est assez cool quand ça permet de télétravailler à la plage. Enfin, on a tous fait, moi, la première. Mais plus sérieusement,
comment est-ce qu'aujourd'hui on peut modéliser du coup ces espaces ou les distances kilométriques entre les régions, les relations de contiguïté et de voisinage, elles importent peu. Donc c'est un peu la question de ma thèse. Et donc je me suis demandé, est-ce qu'on pouvait repenser l'espace en lui-même? Est-ce qu'on pouvait repenser la nature même des liens qui tissent cet espace? Et ça, c'est une question que les géographes ont beaucoup explorée. Vous connaissez peut-être déjà ce type de cartes, ça s'appelle des cartes en anamorphose. Ici, les distances, elles sont plus basées sur des distances kilométriques, mais dans le cas de cette carte, c'est des distances horaires, donc des distances en train entre les différentes villes d'Europe. Et ici, on peut voir clairement comment ce changement de nature a repensé les relations de voisinage entre les différentes régions d'Europe, avec une Europe de l'Ouest qui est très contiguë, très concentrée, et une Europe plus périphérique, beaucoup plus isolée que les distances kilométriques laissent à penser. J'ai mon passeport. Excusez-moi. Car ce qui compte dans les études de l'espace, c'est pas tant la distance physique entre les entités qu'on cherche à représenter, mais c'est plutôt les liens de ressemblance et de dissemblance, avec une petite distance qui est censée représenter une proximité, et une grande distance qui est censée représenter un éloignement. Et si, donc je me suis demandé, dans mon cas, si on commençait à penser à un pays, non pas comme un espace où les régions vont être représentées par des surfaces qui sont construites sur des distances kilométriques, donc vraiment les cartes que vous connaissez, mais plutôt comme un réseau de régions, où chaque région, ici, va être un nœud dans le réseau, et les liens entre ces nœuds représentent des distances que je vais moduler, donc je vais changer la nature, qui ne sera pas kilométrique dans mon cas. Donc ce que je voudrais imaginer, c'est un réseau de régions où chaque lien représente une proximité en termes de goût musical entre les régions, c'est-à-dire typiquement de surconsommation des mêmes genres musicaux. Donc dans l'espace que je voudrais imaginer, plus on surconsomme les mêmes genres, plus on se rapproche. A l'inverse, plus on consomme des genres qui sont très différents, moins on se rapproche. Ici la distance, ça va donc être proportionnelle à la consommation de mêmes genres musicaux. Donc on va se retrouver, enfin je l'espère, avec un espace culturel des consommations musicales qui représentera à la fois des régions de goût et des régions géographiques. Donc si on prend ma carte précédente, ici, ma carte avec les goûts et les régions, et qu'on va en fait représenter chacune des régions par un point de couleur, avec un score de sur- ou de sous-consommation de chaque genre musical, et qu'on va rapprocher entre elles les régions au score similaire, donc avec des couleurs similaires, on va arriver à un réseau un peu comme le suivant. Je suis vraiment désolée, il n'est pas aussi beau que la présentation de Jérémy. Je ne me suis pas vraiment donnée là-dessus. Donc, on va déjà marquer ici ce que j'appellerais des îlots de goût, donc qui sont représentés par des couleurs différentes, avec des zones de transition ici assez marquées, que j'ai représentées avec des couleurs un peu plus dégradées. Si on cherche à s'intéresser à la cohérence en termes de genre musical de chaque îlot, donc de chaque groupe de région, de couleurs différentes, on verra typiquement que l'îlot vert foncé va être caractérisé par l'écoute du métal et que cet îlot de goût pour les métals, il va être très proche d'un autre îlot en bleu qui lui montre une préférence pour le rock et ce groupe de régions, cet îlot bleu, il est entre deux en fait, entre le métal et la pop et on peut continuer comme ça pour caractériser tous les îlots. Donc ici la pop, elle va être voisine du R&B qui est la connexion logique avec le rap et lui qui montre une légère proximité avec le reggae. Mais vous vous demandez sûrement, c'est quoi la petite région marron là, avec des goûts complètement isolés? Ben, dans mon cas, ça va être le Schlager, qui doit avoir des publics aux consommations musicales un peu plus homogènes, j'imagine. Donc comme je le rappelle, ici, chacun des points correspond à une région géographique. Donc on peut regarder en fait quelles caractéristiques géographiques et sociologiques sont prédominantes dans chaque îlot. Et on peut voir typiquement, par exemple, que dans les régions de transition, donc ces régions qui ont logiquement des consommations musicales plus diverses, ça va être des régions majoritairement urbaines, c'est-à-dire des régions avec des populations plus hétérogènes que le reste du pays. Enfin, surtout des régions de bobos qui cherchent à être différents d'autres bobos, typiquement. On peut aussi voir que les régions typiquement ici en bleu, donc l'Europe, ça va être des régions et des populations un peu plus âgées qui cherchent à être attachées au rock de leur jeunesse, ce qui consomme toujours. Et les petits îlots ici déconnectés, qui vont généralement être des régions culturellement et géographiquement plus périphériques, donc ici le Schlager va être confiné au fond de l'Alsace.
Et c'est ce type de réseau du coup que je cherche à construire dans mon travail de thèse, et l'idée au final ce serait d'étudier et de modéliser les trajectoires d'artistes au sein de ce nouvel espace géographique des goûts musicaux. Je vous remercie. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.